Merci, madame. Alors, comme une grande fille, je suis débrouillée pour accéder. On est à l'intérieur du palais du peuple. Comme vous remarquez, ça se constitue dans la voilà. Alors, le secrétaire général, non. Non, merci. Comment il peut vous dire que non, il n'y a pas un endroit pour poser les armes? D'ailleurs, je ne sais pas. Ça, c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Il fait marche. Fâché. Il fait manœuvre, il est fâché, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va voir. On dirait qu'il a un petit souci avec ses gardes. Bon, on va attendre qu'il revienne. Augustin Kabuya qui retourne. Je suis à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, donc les invités arrivent, les officiels et les non-officiels. Ben, tout le monde en tenue de ville. Après fouille, après être passé au service de protocole. Donc, je vois les gens qui entrent, qui vont prendre des. Ah, le secrétaire général est sorti à l'extérieur du palais. Il y a une incompréhension entre lui et les corps de sécurité. Ah, d'accord, merci. On avance ou on attend ici? Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Non, ça va. On est là. Ouais. Entrez. On va vous suivre tout à l'heure. Merci. Une photo. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Ok. Oui. Ben... Nous sommes venus. Vous êtes venus? Nous sommes venus assister à la prestation de serment de ces trois juges récemment nommés par le chef de l'État. Parce que nous sommes la vraie majorité parlementaire. Parce que les vrais parlementaires vont être là avec le président de la République. Et les faux seront dehors. Donc nous sommes aussi venus accompagner le chef de l'État parce que cette fois-ci nous voulons que la vision du chef de l'État soit quand même concrétisée. Nous ne voulons pas ces gens-là qui sont venus avec la fausseté. Donc ceux qui sont venus pour embrouiller la population congolaise soient vraiment déguerpis par la force. Donc nous, la population congolaise, nous sommes très déterminés pour bouter ces gens-là de l'FCC dehors. Donc on est vraiment déterminés. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui motive votre présence? La présence est motivée par ce sentiment-là de vouloir remettre la Cour constitutionnelle sur le rail. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ne s'est pas bien siégée parce qu'il en manque trois juges qui n'ont pas encore prêté serment. Alors, le chef de l'État, comme il s'était engagé dans cette voie-là de l'État de droit, il a voulu matérialiser cela. Donc nous sommes là en tant que population pour soutenir nos juges. Parce qu'un pays sans justice, rien de bon ne pourrait être fait. Trop
Bonjour ma chérie. Ça va? Ah, d'accord. La porte de la salle. Moi, je ne suis pas là-bas, j'ai envoyé les services en pliant en veste bleue, c'est ça. Et puis, papa, tu chantes. Bonjour. Bien, Pangui. Ça va? Ça va, qui s'alambote. Merci, pareillement. Je n'ai pas eu les badges. Les badges n'ont plus été pas. J'ai acquis cet éteint, je ne sais pas avoir la place. On les a capturés hier, mais c'est où? On a fait la capture, on nous a demandé de commencer la chambre. Ils ont fait la capture après quelques mois. Non, ce sont eux. Non, on m'a appelé. C'est non, non, ce sont eux qui ont. Et en insistant que nous vient à la capture. Moi, je n'avais pas fait. On avance. Bon, je vais quand même encore arrêter l'image pour préserver la batterie. Donc, vous avez constaté que dans le palais du peuple, à l'intérieur, sans problème. La salle de côté, hein? C'est difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, tout en a des invitations. Comme si on avait d'abord beaucoup de l'invitation. Il va t'apprêter, il va aller battre du vent. Il y a Mokia. Tout ça, tout le monde a Mokia. Mokia. Tout le vin, ouais. Tout le monde, ouais. Donc, Gabriel Mokia. Moi je même mes balais. C'est bien là-haut. Bien. Comprenez le direct. Allez, allez.
Ok. Gabriel Mokia. Ouais. Malgré toute, on va dire, l'escalade verbale constatée, alors pour cette cérémonie, vous décidez quand même de venir. Vous accompagnez le chef de l'État. On n'a pas violé la Constitution. C'est lui qui nomme. Il n'y a pas un autre chef d'État qui nomme, il n'y a que lui. C'est sauté qui saute à la violation de la Constitution. C'est lui qui nomme et c'est lui qui va installer ces gens. S'ils ont refusé, les adjoints viendront et les magistrats vont prêter serment. Et puis l'affaire est réglée. C'est quelque chose de 30 minutes. Et maintenant, ils sont indexés. Mais ils s'attendent à la dissolution. La dissolution du Parlement. Oh, non, ça, je vous dis. Comme ils veulent créer des problèmes au chef de l'État, nous sommes là. Nous ne sommes pas venus pour blaguer contre les récalcitrants. Donc, nous allons dissoudre cette Assemblée nationale. Comme ça, nous allons placer les gens pour que le chef de l'État... C'est quoi ? ...de la République. Commencer à créer des problèmes au chef de l'État. Il est élu et l'affaire est terminée. Il faut attendre les 5 ans avant de commencer à faire des aventures. 2023, ce n'est pas loin. S'ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, il n'y a pas de problème, madame. Une pareille cérémonie sans les présidents de la présidente de l'Assemblée nationale. Oh, mais la Constitution, les adjoints sont là. C'est la même chose. C'est sauter qui seront ridicules. Ça veut dire que c'est un passage en force pour certains. Mais oui, pourquoi pas?